Bonjour. Aujourd'hui, vendredi, on a une séance pour les assistantes dentaires avec le docteur Christian Mollet, spécialiste exclusif en chirurgie parodontale et implantaire à Nancy et qui va s'occuper de cette séance. Alors la première question qui me vient, c'est la présence d'une assistante dentaire au fauteuil est-elle indispensable aujourd'hui ? Alors dans l'activité que je représente, effectivement, qui est essentiellement chirurgicale, je pense qu'il est unanimement aujourd'hui reconnu qu'il est impossible de travailler seul pour recréer un contexte d'asepsie qui soit adapté aux interventions chirurgicales que l'on fait en cabinet dentaire ou en salle dédiée de chirurgie adaptée pour cabinet dentaire. Donc le travail sans assistante, évidemment, est à mon avis rigoureusement impossible et les quatre mains sont donc totalement justifiées et nécessaires à un travail de qualité au fauteuil. Tout doit être anticipé, évidemment, cette anticipation, elle se discute. Comment se prépare le travail à quatre mains d'une assistante dentaire ? Ce travail à quatre mains, il se prépare évidemment de longue date, puisqu'il faut former l'assistante à ce travail à quatre mains. Sa formation de base n'inclut pas de formation technique, mais elle ne donne qu'une formation théorique. C'est un apprentissage de tous les jours au cabinet. Ce sont aussi des cours et des modules de formation complémentaires. Sur l'intervention que nous venons de réaliser, effectivement, nous avons essayé de donner un maximum d'éléments pour que les assistantes puissent prendre une part tout à fait active à l'acte chirurgical et ne pas se contenter d'une assistance que je pourrais qualifier de passive. Une assistante, ça peut être tout autre chose. On peut lui déléguer des tâches de grande valeur. Tenir compte de chaque cas. Je suis content que cette démarche qui m'a été proposée par Christine Romagna, responsable du programme des assistantes et de la parodontologie cette année à l'ADF, nous ait confié cette charge et que la thématique qu'elle a choisie est plus au public. Et effectivement, dans cette séance, nous avons essayé d'apporter tous les éléments qui font partie de notre expérience professionnelle pour montrer à quel point une assistante dentaire peut avoir une part tout à fait active au sein d'un acte chirurgical qui, avec les interventions que l'on réalise aujourd'hui, ont de plus en plus de sophistication. Elle était parfaite, cette séance. Pédagogique, avec un respect de tous les participants, et une excellente séance. Je suis venue à cette séance tout d'abord parce que c'était consacré aux assistantes dentaires. Et que c'est pas souvent qu'on ait des congrès et des réunions consacrés à notre profession, assez mal reconnue, je crois. J'ai beaucoup aimé, en fin de compte, le partage entre l'assistante et le docteur. On a eu la chance d'avoir une intervention très importante, puisqu'il y avait plusieurs sites opérés, et puis un calme olympique, vraiment très, très, très agréable. Voilà. J'ai trouvé cette séance très intéressante, dans le sens où on valorise l'assistante dentaire et les échanges qu'il peut y avoir avec le praticien. Je suis très heureuse d'être venue aujourd'hui dans ce genre de conférence. Cette représentation vidéo qu'on a eue tout à l'heure qui était vraiment de très très bonne qualité. J'ai la chance d'avoir un praticien qui me donne cette même générosité, le partage de l'intervention. En gestes techniques, pas grand chose, mais juste une confrontation de faire la même chose que les autres assistantes.